On se retrouve aujourd'hui pour 10 minutes spécial bras et plus précisément pour vous mesdames, pour cette partie-là. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Pour construire cette séance, j'ai pensé à vous et je me suis dit qu'est-ce que j'aimerais faire pour tonifier mes bras. Et sans aucun doute, c'est bien cette partie-là qui nous embête. Eh bien nous, on ne va pas se laisser faire. Et croyez-moi, si vous réalisez cette séance très régulièrement, les résultats vont vite apparaître. Vous pouvez même en faire votre petit défi et réaliser ces 10 minutes juste avant de partir au boulot le matin. Parce qu'en plus de tonifier vos bras, cette séance va vous donner une pêche d'enfer. En détail, ce sera 50 secondes de travail suivi de 10 secondes de récupération. Et je peux vous dire que vous allez les apprécier. Et pendant cette pause, je vous montre l'exercice suivant. Mais juste avant, je vous propose ce petit quiz. En à peine 2 minutes, vous saurez quel quinca vous êtes. Laissez-vous guider, le lien se trouve juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je profite de faire un petit coucou à mes abonnés fidèles. Merci d'être là encore aujourd'hui. Et si vous êtes nouvelle parmi nous, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la petite cloche. Elle vous permettra d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos. N'hésitez surtout pas parce que toutes les vidéos sont construites pour nous les cinquantenaires qui voulons rester belles et rebelles. Allez, nos petits bras sont impatients de commencer, on y va. On commence par des mini stretching juste avant d'attaquer les exercices. Écartez vos bras bien tendus, paume de main dirigée vers le sol et faites des grands cercles. Votre buste est droit et tonique. On rentre directement dans le vif du sujet, vous allez vite sentir vos bras. Ok, changez de direction maintenant. Faites les mêmes cercles en sens inverse. Vous sentez que ça brûle déjà sur ce début de séance, vous allez aussi avoir envie de baisser les bras. L'objectif est de vous accrocher pour faire du mieux possible et avoir un maximum de bénéfices de cette séance. Si vous sentez que vous devez faire une mini-pause, alors faites-la et revenez avec moi. Ok, relâchez vos bras et détendez-les pendant votre pause. Tendez vos bras à nouveau et vous allez faire des rotations d'épaule en enchaînant paume de main vers le haut, puis vers le bas. Gardez les triceps très fermes. Pensez plus à ce que ce mouvement va vous apporter plutôt que la douleur qu'il vous procure. Grâce à cet exercice, vous vous sentirez chaque jour de mieux en mieux et surtout plus forte. Ah, 10 secondes de repos. Bougez les bras, relâchez-les. On continue avec une main sur une hanche. Vous allez faire avec l'autre bras un mouvement de bas en haut et haut en bas. Le bras sur la hanche profite d'un tout petit peu de repos pendant que l'autre travaille énergiquement. Montez bien la main par-dessus la tête. Vous travaillez les muscles de l'épaule et du haut du dos. Le biceps est très actif dans le mouvement vers le bas. Changez de bras, gardez vos abdominaux bien fermes et vous avez de bons appuis sur les jambes. Vous êtes droite et fière. C'est très très bien. 10 secondes de repos pour vous détendre, vous étirer un tout petit peu avant de reprendre le prochain exercice. De nouveau les bras tendus, on va alterner avec les paumes de main vers l'avant puis vers l'arrière. Suivez-moi, 2 fois vers l'avant, 2 fois vers l'arrière. Tout le haut de votre corps travaille et en particulier les bras, les épaules, les pectoraux et le haut du dos. Essayez de garder les bras bien hauts et tentez de résister à l'envie de les laisser tomber. Si ça fait mal, dites-vous que c'est pour la bonne cause. Vous serez plus fort. Allez, accrochez-vous, le repos arrive bientôt. Regardez le chronomètre.
méritez bien votre pause. Elle est plus longue cette fois, 20 secondes de récupération. Profitez-en pour vous désaltérer un petit peu, c'est super important de boire pendant les séances de sport. Allez, on repart avec les bras en haut, coudes pliés, vos avant-bras sont à 45 degrés. En alternant, vous allez serrer les coudes, écarter, puis monter les mains au-dessus de la tête. Essayez de suivre mon rythme, faites ce que vous pouvez. Ne lâchez surtout pas, on continue avec le sourire. Soyez fiers de ce que vous êtes en train de faire, moi je vous félicite. Oh là là, 10 secondes de récupération. Détendez vos bras, vos épaules, ils brûlent un peu, je le sais, les miens aussi, rassurez-vous. Cet exercice est un de mes préférés. Je le nomme « donner et recevoir ». Vous allez ouvrir les bras pour recevoir et ensuite donner toute cette énergie. En faisant cet exercice, c'est à vous que je donne toute mon énergie positive. Utilisez cet exercice comme une métaphore de votre générosité et créez en vous une balance magique entre donner et recevoir. Donnez maintenant de l'amour à vos bras avec ce petit repos. Il ne reste plus beaucoup de temps de travail. C'est super chouette ce que vous faites. On revient dans la position des bras bien tendus sur le côté et cette fois-ci, vous allez faire des tout petits cercles. Rappelez-vous, au tout début, c'était des grands cercles. J'adore cet exercice car il est vraiment efficace pour une bonne posture et un bon renforcement des bras. Utilisez tous les muscles de vos bras, ça va piquer, accrochez-vous. Gardez votre buste bien ferme et tonique grâce à vos abdominaux. Je sais que c'est dur, encouragez-vous à aller jusqu'au bout. Regardez le chronomètre, ça passera plus vite. Waouh, relâchez-vous, détendez-vous, c'est le dernier qui arrive. Alors récupérez bien. Reprenez la même position, bras tendus, paume de main vers le ciel et on y va avec nos petits cercles. Je sais que c'est dur, je sais que ça fait mal et je vous rassure, c'est dur pour moi aussi. Mais vous et moi, on sait pourquoi on fait ça. Notre objectif est d'être une femme belle et rebelle et surtout de résister en pleine forme au temps qui passe. Je vous rappelle que notre motivation est de vivre nos 50 ans comme nos 20 ans. Ça vaut vraiment la peine de se faire un petit peu mal de temps en temps. Allez, allez, c'est presque terminé. Yeah, vous êtes au top, félicitations! Et je vous assure que ce travail sera bénéfique. Bravo mesdames, je suis sûre que comme moi, vos bras ont bien chauffé aujourd'hui. Dites-moi dans la zone de commentaires juste en dessous si vous avez aimé et si vous avez des exercices ou des idées, alors n'hésitez pas à m'en faire part, j'en tiendrai compte pour la construction de mes prochaines séances. Si vous avez du temps et encore de l'énergie pour aujourd'hui, alors je vous propose de faire cette séance qui complétera parfaitement bien celle qu'on vient de réaliser ensemble. Et si vous décidez que c'est terminé, alors s'il vous plaît, pensez à faire vos étirements. Vos bras en ont bien besoin. Merci encore d'avoir fait la séance avec moi aujourd'hui. Restez belle et rebelle. À très vite. Bye bye.